Oh oui, j'ai aujourd'hui quelques nouveautés qui devraient vraiment... Partons ensemble en quête d'honneur, mon ami. Alors c'est comme ça que ça va finir, hein? Léa a passé... Vous devez me promettre que vous prendrez bien soin de ce que je vous vends. T'as entendu? Le vieux Rumford a encore diminué la ration. Hey. Alors, c'est vrai qu'il m'arrive de faire affaire avec des gens un peu louches. Mais au final, c'est vous qui profitez de l'aubaine, hein? Voilà qui est fait. C'est toute une meute qui arrive cette fois. Tenez bon! Je savais bien que je n'aiguisais pas mon arme pour rien. Je dois attendre. Que les flots infinis vous brisent. Je vous aide. J'ai un paquet d'affaires intéressantes pour vous. L'apprenti forgeron est mort. Il me faudra en parler. Mes blessures sont trop graves.
J'entends. Je n'ai plus assez d'esprit. Je préférerais prendre ma propre vie plutôt que de rejoindre les rangs de ces ministres.
Aviez-vous de nombreux amis? C'est un lien bien plus fort que la simple amitié. Alors je suppose que vous n'avez pas assez d'esprit. Un puissant ennemi se dresse devant nous. Je n'ai plus assez d'esprit. Assez d'esprit. C'était un ennemi estimable. Glorieux combat. Thank you.
Ne craignez rien. Ces morts ne méritent aucun égard. Tous des traîtres et des adorateurs du démon. Les blessures sont trop graves. Assez d'esprit. L'appel de la gloire. Je ne comprends pas comment les suppôts du mal peuvent sévir en plein jour. Ne devrait-il pas craindre la lumière? Le mal ne connaît ni jour ni nuit. Mais la lumière est l'ennemi du mal. Littéralement, tout autant que symboliquement. La couronne n'est pas ici. Elle doit être dans l'une des autres cryptes. Alors nous continuons. Tout ce qui est sacré. Avez-vous vu cet ennemi?
plus assez d'esprit. J'ai hâte d'en affronter d'autres comme ce monstre. Sont trop graves. Mes plaies se referment. Merci à vous. Voilà qui m'aidera. Croyez-vous à la vie après la mort ? Non. Je renaîtrai sous une nouvelle forme pour préserver l'équilibre. Nous sommes très différents, n'est-ce pas ?
Je me réjouis que le destin nous ait rassemblés. Pourquoi donc ? Vous combattez avec honneur et férocité. Je sais que l'âme qui brûle en vous est pure. La couronne n'est pas ici. Il faut chercher dans l'une des autres cryptes. Le temps passé à purger ces sépultures du mal est bien employé. Tout ce qui est sacré. Avez-vous vu cet ennemi ? Je n'ai plus assez d'esprit. Nous avons réussi. Et cette grandeur. Et pourquoi ? Un monarque qui a ravagé son propre royaume.
La couronne n'est plus tenue. Le chancelier l'a gardé en sûreté de nombreuses années. Un acte noble. Je ne vous permettrai pas de faire revenir ce monstre de Léoric dans ce monde. Vous arrive-t-il d'avoir peur pendant un combat? La peur naît de l'incertitude. Les dieux m'indiquent la voie à suivre. Nous sommes tous deux bénis alors. Ma foi me garde de la peur. Vous avez retrouvé la couronne? Pour être honnête, je pensais pas vous revoir vivre. Ah, il faut la réparer. Ça fait du bien de se remettre au boulot. Et voilà. Elle est aussi neuve qu'au couronnement du roi noir. J'ai besoin de m'occuper l'esprit, et fabriquer des pelles n'occupe rien du tout. Je veux que ma vie ait un désir sens. Légitime. Vous façonnerez les armes qui me permettront d'accomplir mon devoir sacré. J'ai une autre nouvelle. Votre apprenti est mort. Le pauvre idiot. J'ai la couronne. Oh. Le roi squelette. Excellent choix. Bonne idée.
qui est sacré. Avez-vous vu cet ennemi? Je n'ai plus assez d'esprit. Sûrs sont trop graves. Aidez-moi. Nous avons réussi. Je reviendrai. Vous avez l'air troublé, Templier. Pourquoi ? Excusez-moi. Voir un endroit si sacré, profané et saccagé de la sorte m'attriste. Cela m'attriste également, mais nous allons le purifier. Comment traite-t-on les criminels dans votre pays?
Je suis souvent envoyé pour les retrouver et pour les punir. Étrange. Dans l'ordre, ils sont simplement exécutés. Là, un adversaire à ma mesure. C'était un ennemi estimable. Glorieux combat. Je refuse de finir comme ça. Mon heure n'est pas encore venue. Les forces qui se dressent contre nous sont bien plus puissantes que nous n'avons jamais vu. Derrière toutes ces épreuves se cache une grande cause, mais je ne la connais pas encore. Les dieux gardent la lutte.
Qui êtes-vous? Vous le saurez bientôt. Et... Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans cet enfer? Je dois détruire le roi. Mais alors, pourquoi dans cette cathédrale, mon frère? Un de nos membres a renié ses vœux et rejoint la cabale démoniaque qui infeste les ruines de cette cathédrale. Maudit traître! Il va payer! J'aperçois mes armes. Il est libre. Ne le laissez pas. Je m'appelle Cormac. Je suis un guerrier de l'ordre des Templiers. Si c'est le roi squelette que vous cherchez, Jondar se dressera sur votre route. Nous devrions unir nos forces. D'accord. Combattons ensemble. Un Templier seul suffit à faire trembler les suppôts du mal. Deux les mettront à genoux. Adversaire à ma mesure. C'est un adversaire digne de nous. Merci de m'aider à combattre les ténèbres. La lutte contre le mal est l'essence même de l'Église. C'est un doute. L'Église. Magie noire nous barre la route, mais la volonté d'un Templier est plus forte! Jondar, tu étais un Templier! Comment as-tu pu te donner à cette cabale? La cabale est ma nouvelle confrérie! Les puissances que nous servons régneront bientôt sur le monde! Noir de la cabale me voilait la vue. Il n'y a pas de pardon pour les traîtres. Merci de votre aide.
Je vais vous accompagner dans votre poursuite du roi squelette, mais à une condition. Si nous trouvons les écrits sacrés de mon ordre, ils sont pour moi. Vos livres n'ont pas de valeur pour moi. Ils sont à vous. Alors allons-y. Allons affronter le roi squelette. J'essaie d'évaluer le nombre de nos victimes, mais j'en ai perdu le compte.
cristal. La lumière est en son règne. Thank you.
suis prêt à recommencer. Ne vous approchez pas de lui, c'est un fardeau que moi seul dois porter. Puisse la mort vous délivrer de ta folie, Léoric. Traître ! Dans la mort, les armées du Gondouras restent au service de leur roi, même si vous désobéissez. Nous allons te terrasser, créature des enfers!